la vie quotidienne. Tic numéro 1 qui envahit nos foyers dès qu'il y a un dîner entre amis ou un repas improvisé, les mains dans la farine avec le coude qui pointe pour bien montrer qu'on a un truc sous le feu. Marie, tu vas ouvrir ? Salut Gérard ! Ah Alain, comment ça va ? Eh ben ça va. Désolé hein. Tic numéro 2, cousin éloigné du numéro 1 et qui revient en force dès qu'il y a un apéro en famille, les yeux écarquillés avant de claquer la coupe pour bien montrer qu'on s'aime vraiment droit dans les yeux. Avant que Christian nous raconte son voyage à Bali, je propose de lever un toast à vous tous, à la famille et à Christian aussi. Ben écoutez, chin et bonne continuation. Hein Christian, chin. Dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Tic numéro 3, aussi vieux que la terre est vieille et qui résonne sur les chantiers et sur tous les échafaudages, le sifflet dans les dents pendant qu'on peint pour bien montrer qu'on est content de peindre. Tic numéro 4, très utilisé dans les magasins luxueux, les parfumeries et qui se propage maintenant chez les grands pâtissiers, le doigt ganté qui pointe et qui recule pour bien montrer que le macaron est un bijou. Alors sinon, vous avez notre toute dernière création, le petit macaron pistache myrtille acérola, pistache myrtille acérola, pistache myrtille acérola, pistache myrtille acérola. Et tic numéro 5, dès qu'il y a des bouchons ou des vacances vers le sud, les mains qui poussent le bas des reins pour bien montrer qu'on a fait 10 heures de route. Si a dormito non tardi, con mamma TV. Eh, ouais.